Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la suite de Twin Mirror. Et oui, c'est comme ça qu'on se retrouve dans ce contexte un petit peu particulier, là où la tristesse est arrivée au début, un enterrement, et puis moi qui arrive dans le bar et qui dit des conneries. Alors du coup, bah tout est parti en vrille. Alors je sais pas comment ça va se passer parce que là c'est le nouvel épisode. Je redémarre le jeu après avoir fait Horizon Zero Dawn. J'avais même perdu l'horizon, moi, vous avez vu. J'étais parti ailleurs avec Assassin's Creed et maintenant Twin Mirror. J'ai 3 épisodes en cours, les amis, et c'est avec vous qu'on continue cette partie. Allez, let's go! Alors, je sais plus où j'en suis vraiment. On va faire continuer, on verra bien ce que ça donne. Alors, j'ai pas de son, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Allons! Allez, c'est bon, on y est. Voilà. Alors les chargements dans ce jeu est extrêmement lourd parce qu'il faut savoir que là je tourne en élevé, en haute qualité, en sachant que le jeu est époustouflant. Je vous rappelle que on s'est réveillé, oui, avec ce dos pas très musclé de cet homme qui s'est pris une cuite. Il n'est pas défait. Au moins ils n'auront pas à changer les draps. Didn't even get under the covers. Glad I even made it to the bed. C'était assez bizarre qu'on se réveille comme ça, en fait. C'était assez bizarre. Je crois que je vous ai laissé la suite. Pourquoi est-ce aussi clair dehors? Oh là là là, ouais, il a la tête dans le bois, la tête dans le cul. On va dire directement, on va pas chercher le mot. Oh, my head. Et il a pu sa pilule. Combien j'ai pu en prendre? Oh, le mec est en dépression. Bon sang, quel mal de crâne, la pression comme ça. Jackhammer in my left temple. Just tossed on the floor. My mother would be proud. Qu'est-ce qui se... Eh, franchement, mon gars, tu... Et les toilettes sont pleines de vomi. Non, non. Ça va, il est encore assez propre. Chemise, lavabo, miroir. Qu'est-ce qu'elle fout ça? Oh! Attends, non, on va voir un miroir d'abord. Vas-y, rase-toi. Je pense que vous l'avez vu. Tout comme moi. Wow, c'est pas bon. Il s'est passé quelque chose. Already feel more human. Bon. Ouais, je m'imagine. Je vis. Vaut mieux pas que tu regardes. Non. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand même avec ce... Moi, je le vois. Lui, il voit pas. Regardez. Ah, ma chemise. Tu le sens. Oula. Qu'est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va réagir? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mes fouf. J'ai eu mes ragaga. Bess. J'ai confondu mes menstrualités. That's not good, that's... Pas bon signe. Where did I get this? D'où est-ce que ça vient? What did I do? Qu'est-ce que j'ai fait? Jean-Pierre. Ah, ça y est, le trip. Oh là 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 là, ça y est, bah il est parti. Au revoir, monsieur l'incognito. Ça y est, il essaye de se remémorer. Donc avec son pouvoir psychisme, de l'incroyabilité, il va essayer de se rappeler. Donc avec l'alcool, les cachets, ça va pas trop aider. Oula, c'est sombre comparé à la dernière fois, les amis. Ça pue! C'est moi qui vous le dis! Oula! Robocop! C'est lui! Go, Poufias! Dépêche! Oh my god! La porte! Ah! Fallait pas passer la porte, c'est ça? Oh! C'est quoi ce délire? Sam, be more careful. Sam, tu dois faire plus attention, respire, concentre-toi. Focus. Faut éviter les portes. Oh my god, 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 oh my god! C'est quoi?
toi toutes ces portes. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il fallait pas. Encore, c'est reparti. Danger. Derrière toi. Je suis un meurtrier. Qu'est-ce qui se passe, c'est ta vie? Faut que j'évite toutes les portes. Non mais. Find the way to calm down. Essaye de te concentrer, espèce de prison, couloir de la mort, l'isolement, en souffrance. Je pense qu'en fait il court tout seul, faut pas que tu prends le contrôle de toi. Danger, 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 regarde pas derrière toi. Abandonne. Je vois plus rien. Oh mais non. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? J'y étais presque. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Il faut que je fasse quoi, les amis? Abandonne. Souffrance et mort. Coupable. Oh, c'est chaud. Mais c'est chaud, les amis, c'est pas, c'est impossible. Je sais pas comment faire, je sais pas. Je peux pas passer 2 heures sur ces portes à la con. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Samuel, focus. Focus on anything other than the fear. Oula. J'ai rien pigé. Je l'ai fait au moins 4-5 fois. Ah, je vous laisse la vidéo en complet. Hein. Regardez jusqu'au bout, les amis. Likez, partagez, commentez. Oh là là, encore des miroirs. Ah bah c'est le but, hein. Mirror, attention. You're doing good, really good. Tu t'en sens bien. You're almost there. Tu y es presque. Tu y es presque à quoi? Presque à... Ah, qui se pendent. Qu'est-ce qu'il a fait pour que sa chemise soit pleine de... Alors, miroir, ouais d'accord, miroir. Je suis d'accord, mais quoi miroir? Focus. Choose, act, agis délibérément. C'est de comprendre, les amis. Hide. Se cacher. Si rien passe, continuez. Loin d'ici, partir. Aussi vite que possible. Just go. Il y a quelque chose qui l'a rattrapé, je sais pas c'est quoi, mais son passé, je sais pas. If I run, si je m'enfuis, ça a affronté ce qui s'est passé. Les réponses. Affronter ce qui s'est passé. Il y en a un, c'est reste, il fait rien. L'autre, c'est s'enfuir et puis voir ce qui se passe. Et là, c'est si je m'enfuis, ça affronter ce qui s'est passé. Réponse. On va ignorer et on va faire ça. Faire comme si de rien s'est passé parce qu'on s'en rappelle pas du tout.
No, that's just pretending. Non, ça, nothing is wrong. Semblant que tout va bien. I've done that enough. Je l'ai assez fait comme ça. Donc si tu l'as assez fait, alors affronte directement. Hide. Never happened. Going on. Hein? On va d'ici partir aussi vite que possible. Just go. If I run, si je m'enfuis, c'est affronter ce qui s'est passé. Réponse. Yes, answers. Good or bad, I need answers. Bon, apparemment j'ai pris la mauvaise décision. Là, je prends la bonne décision. Alors, voilà l'autre. I know what you're thinking. Je sais à quoi tu penses. Stop thinking. Arrête ça. Pills and alcohol. Pilule et alcool. Tu as eu la chance de ne pas y rester. I need to know what happened last night. Il faut que je sache ce qui s'est passé. Last place I remember. Le dernier endroit où je me souviens, there. C'est le bar. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf. Tu devrais peut-être pas detective. Jouer détective solitaire. Je serai prudent. Je sais me faire discret. Mieux vaut que je sache. There's too many questions J'ai trop de questions à propos d'hier soir. Toutes les réponses évidentes sont mauvaises. Mais ça vaut le coup de les connaître. Toutes les réponses ne méritent pas d'être connues. I can't just run Quoi que ce from soit, this je is. Ne peux pas m'enfuir en croix. So help Alors, soit get tu m'aides, soit tu me fiches la paix. It's your life, C'est la vie, Sam. I just Moi, j'habite here. Juste ici. Bon, clairement, les amis, bon, je veux savoir ce qui s'est passé, parce que là, il se réveille, la gueule de poids enfarinée, hein. Tout le monde sait ce que c'est, surtout après des lendemains de fête avec Nouvel An. Nouvel An et Noël. Oh là là, cumuler la dalle et tout. Oh là, c'est la vraie pilule et puis l'alcool. Oh là là là, cet homme. Peu musculeux en plus. Il a pas pris sa protéine. Qual Miner's Haven. Seul le personnel est autorisé. Donc il rentre par effraction. Mauvaise... C'est mauvais. Puis ça change, c'est la même chose. Do you really think breaking and entering par effraction était une bonne idée? Use Ethan's hidden spirit. J'ai utilisé le double d'Ethan. Il n'y a pas d'effraction. I don't know if he'll see it that. Tu vois les choses comme ça. I could wait for the bar to open. J'attends l'ouverture du bar ou chercher des réponses. I picked the latter. J'ai choisi la deuxième solution. Mais il est pas bien. Des réponses, c'est un petit peu, c'est bon. Voyons ce qui s'est passé. Produit de nettoyage. Pas utilisé efficacement vu l'odeur. Fût de bière, je n'en connais que trop bien le goût. Alors, il marche, mais je peux marcher vite aussi. Canette de soda. Armoire sécurisée arrête la plupart des tentatives de vol. Photo de famille. Prendre. Bouteille insolite. Mets-le pas dans ta poche, hein, c'est du vol. Non. I remember seeing this before. Souvenir d'avoir vu ça il y a très longtemps. Ago. Ah, j'allais dire, repose. Ça, journal mis à jour. D'accord. D'accord. Il y a une grosse fête au Cold Miner's Haven le jour où Ethan l'a racheté. Ça faisait des années qu'il y avait travaillé comme barman, et maintenant c'était lui le propriétaire. C'était l'exemple parfait de la réussite de l'américaine, le genre qu'on ne voit pas souvent à Basswood. Un homme du coin qui accomplit son rêve à force de dur labeur. Le bar était plein à craquer cette nuit-là. Tout Basswood était devenu fête l'événement. Tout le monde à part Céleste, la petite sœur d'Ethan, elle n'est jamais venue. Ethan l'a attendue toute la nuit. Il comptait partager un peu de ce grog avec elle. C'était loin d'être du champagne, mais c'était la première bouteille qu'il avait achetée, en tant que nouveau proprio. Il l'avait gardée pour eux deux. Mais elle était toujours à la... lendemain matin, excusez-moi, j'ai perdu les mots, sur l'étagère, encore fermée. Christina, la patronne du café, a dit qu'elle avait vu Ethan et Céleste se disputer sur le lendemain. Ils étaient comme les doigts de la main, enfant, dit-elle en secouant la tête. Tu ne trouves pas ça par hasard, bizarre ? De n'avoir jamais rencontré Céleste tous les années où tu étais un habitué de Miner's Haven. On dirait qu'Ethan a gardé la bouteille, même après toutes ces années. Peut-être en souvenir du plus beau jour de sa vie. Ou peut-être qu'il la garde en attendant le jour où lui et sa sœur pourront rire et fêter quelque chose ensemble.
Oh, on a déjà des autres. J'ai quitté Basswood. Je reconnais que prendre mes affaires et quitter cette ville serait parfaitement logique. Mais je ne peux pas. Pas maintenant. Pas avant d'avoir éclairci tout ça. Joanne traverse cette phase délicate où elle était à la fois une enfant, une ado et une adulte. Le chagrin n'aide rien. Elle a l'impression d'avoir personne dans son camp. Lui fait flipper, Tan. Un barman dans une petite ville qui écoute plus qu'il ne parle. Le bar d'Ethan doit être la seule affaire prospère de Basswood. Si l'alcool peut aider. Cathy et Nick se sont mariés. Ouais, ça on le sait. La relation entre Cathy et Joanne semble particulièrement tendue. En fait, toutes ces informations, il faut savoir que ces informations sont au fur et à mesure des questions qui se posent et au fur et à mesure de l'histoire. Parce que c'est pas concret en fait ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on se pose des questions et on reprend les questions qui se posent. Tara n'a pas de filtre. Elle serait nulle comme espionne ou comme tueuse en série. Ou alors elle serait excellente. C'est vrai. En fait, c'est complètement fou, mais c'est ça. Découvrir ce qui s'est passé en ville. Forcément, ça ne dit pas du tout. Comte d'Ethan, la seule affaire florissante de la ville. I doubt Ethan's account somehow led to the blood on my shirt. Bon, on va essayer et d'éviter de se faire prendre, mais parti comme c'est là, c'est fini. Il rentre dans un bar. Peut-être que le barman comprendrait, mais. Whoa. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened here last night? First. Recueillir des indices sur les événements de la veille. Figure out what happened. Ouh là là, il y a eu une bagarre. Ouais, déjà, il y a eu des ennuis parce qu'il y avait les mineurs. Ils nous ont clairement fait comprendre qu'ils. Ils étaient pas là pour rigoler en fait. Parce que quand ils l'ont vu arriver avec son affaire en plus du journal qu'il avait fait, les amis, n'oubliez pas, ajoutez un indice. I ended up drinking pas alone. Tout seul. So who brought that second seul, glass? Alors qu'il a porté deux verres. Batte de baseball. Mieux vaudrait ne pas traîner ici. J'ignore laquelle de ces bouteilles a été mon erreur. Sans doute la première. Elle semble intacte. J'espère que toutes les consos ont été payées, y compris la mienne. Ouh, il y a du sang. La serpillère, elle a du sang. Il marquait quoi là? If you must vomit, splicer. Ha! Quelqu'un qui a vomi, qui en a foutu partout quoi. Le panneau, ajouté un indice. Oh. Panneau cassé. Ouh, c'est this? Moi qui a fait ça. Pardon, Nick. Sorry, Nick. Bah, pas forcément. Pas forcément, prends pas tout pour toi non plus. De l'alcool qui a séché, on l'a renversé, ou quelqu'un a cassé une bouteille. Table renversée encore une fois. These were sent scattering. Pub saccagée. Elles sont éparpillées. Someone thrown into them. On y aurait jeté quelqu'un. Banquette écrasée. Ripped. Did this happen yesterday or was it always like that? Ça date d'hier ou encore plus ancien. C'est de voir le jukebox. Légèrement déplacé en lien avec la bagarre. Borne d'arcade. Jouer. Pourquoi jouer game over? C'est une sacrée bagarre quand même. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Une horloge. Knock this clock off the pillar. It seems there was a fight. It could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Ah, comme je vous ai dit, lisez les amis, ne m'attendez pas. Faites un retour poste sinon. Il disait que l'horloge est peut-être due à son accident qu'il a eu. Oh, une bouteille cassée. Très abîmée, il a fallu un gros impact pour la faire tomber. Ah, ouais, je vois que.
Et sa voiture, elle peut être là. Sa voiture. Sa voiture, les copains. J'essaie de comprendre, hein, moi aussi. Est-ce que j'ai assez d'indices ou pas? Examiner. What a mess. Quel bordel, j'espère que c'est pas moi. This wasn't me. Oh. Carte de visite. Ajouter aux indices. Lire. Pharmacien. Le pharmacien buvait beaucoup d'eau. Excellent pour les maux de tête. Hugh's business card. Une carte de visite de Hugh. Wonder why it's here. Je comprends ce qu'il fait ici. Definitely not the wake Nick would have wished for. J'essaie de récolter le maximum, les amis, et je sais pas. Ça, on l'a vu, la table. L'horloge. Chasing and being chased by ghosts. Être chassé. Joel's hat. Joël, la casquette de Joël. Maybe we ended up having it out after all. Je vous l'avais dit, les amis. Joël, je crois que c'est celui. Attendez, attendez. Personnage Joël, je pense que c'est le gars qui fait chier son monde. C'est ça. Non, non plus. C'est lui. Lui, tous les mineurs de Basswood ont perdu leur travail lorsque la mine a été fermée. Je ne sais pas. Je sais qu'il vaut mieux ne pas les provoquer. Et je pense que c'est lui, en fait, les amis, qui a complètement pété les plombs. Forcément, ça, c'est dû à moi. C'est... Son moral est au plus bas, il va dire. Il a perdu un pote. L'excuse, comme on dit, hein. Et je vais repasser par derrière. J'ai pas tout trouvé. Qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose. J'ai omis d'oublier quelque chose. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent de plus? Je ne peux pas voir ce qui s'est passé. Ah, ici, c'est clair qu'on voit beaucoup de choses. Je me demande ce que j'ai oublié. Tache de sang. Pas faire plus de ce que j'ai là, les amis. Tout est cassé. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy. Ah là 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 là. Il manque des preuves, mais je sais pas quoi. Peut-être du sang, mais où trouver du sang par le toilette? Il manque des preuves. Des preuves de quoi aussi? Une chaise par terre, là, c'est sûr, avec la table. Là, il avait dit que c'était abîmé. Mais là, moi, je ne... Moi, j'étais ici. Oula, je sais plus. C'est clair que l'enquête, là... Il me manquerait quoi? Faire une partie? Faire une partie de Pac-Man?
La partie de Batman, il y a que ça que j'ai pas encore fait, les amis. Ça, j'ai pas tout à fait fouillé. Ici, il y a pas de sang. Hein. Après, j'ai remarqué que c'est un homme qui s'énerve encore calmement, mais c'est pas encore ça. Les flèches, elles ont pas bougé. Ici, forcément, il veut pas rentrer parce que ça sert à rien. Clairement, on va pas aller dans le chiotte alors qu'on y vient. Je sais pas, il y a deux bières là. Definitely not the wig Nick would have wished for. Definitely not the wig Nick would have wished for. La veillée, pardon. What a mess. J'espère que ce n'est pas ma faute. Hope this wasn't me. Donc ici, ça serait de sa faute, c'est tout ça. Carte de visite de Hugues. Y'a que ça, ouais. Mais ce balai là. D'accord. Donc clairement, faut que je me rappelle de ce qui s'est passé, mais c'est chaud. C'est chaud. À part le ça, la Pac-Man, je vois pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il jouait à faire une partie. Clairement, bah c'est Pac-Man, les amis. Hein. Pac-Man quoi. Ah ah, je suis nul. Pac-Man. Yes. Pas si nul. Encore. Non, je peux pas faire ça toute la soirée. Enfin, allons. Chasing and being chased by ghosts. Oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'était pas mal, c'est pas mal. Le petit clin d'œil à Pac-Man. Alors, les amis, qu'est-ce que j'ai encore oublié qu'il fallait que je fasse? Parce que là, moi, je m'ennuie un petit peu. J'aimerais passer tout de suite aux choses sérieuses, mais je ne peux pas. Clairement, ça veut pas. Je vois sa voiture, mais je ne vois pas du tout ce qu'il pourrait y avoir. À part ça, la bouteille cassée. La flaque de sang qu'il y a ici. Je peux pas m'asseoir, je peux pas m'installer. Ça s'est passé, je... Oh, le fauteuil est abîmé ici, mais il n'y a rien d'autre. Donc ici, on sait que le jukebox a été légèrement déplacé, que ça, sa casquette à l'autre, elle a volé. Le Pac-Man aussi a bougé, les chaises n'ont pas forcément bougé ici. Peut-être qu'il y a eu un coup de feu, qui sait, sur un mur, puis que j'ai pas vu. Clairement ici, examiner. Ah, je peux examiner, j'ai pas fait. J'ai pas examiné. Les fleurs, regardez. Les fleurs sont fichues, on dirait qu'elles sont tombées et qu'on a marché dessus. Du sang, regardez. Le vase est en miettes, on dirait qu'il a reçu un coup de pied. Ça pourrait être le sang que sur ma chemise. Un indice. DG. Denise. Dennis les initiales de Denise. Est-ce qu'il est appliqué dans ce qui s'est passé? Ça ne m'étonnerait pas. J'ai tout, les amis. J'ai tout. Ça y est. L'enquête.
I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. Il suffit de réfléchir. Accéder sur RB pour le palais mental. C'est parti, let's go! Et on va nous retrouver en plein milieu du bar en train de faire notre délire en fait. Son délire à lui. At least I can always count on this place to make sense. Ouais, parce que tout à l'heure c'était la course-poursuite éphémère. Now to work out what happened while I was blacked out last night. Trou noir d'hier soir. Just need to think it through logically, throw out impossibilities. Les incohérences. Until only the truth is left. Jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through. Find out what really happened. Ce qui s'est passé vraiment. Réponse à la question pour commencer à formuler les hypothèses. J'étais ici. My memory ends here. Mes mémoires s'arrêtent là. Mais il y a deux verres qui est avec moi. Who was here with me? C'est vrai, deux verres. Où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé ici. I was drinking on my own. Je buvais seul. Et quelqu'un est venu me rejoindre. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Mais on s'est battu, manifestement. Mais dans quel ordre? Si je découvre comment a tourné la bagarre, je devrais pouvoir trouver qui m'a attaqué. Où est-ce que ça a fini? Vers l'entrée. Où la bagarre a-t-elle continué? Vers l'entrée? Vers le pilier? En fait, on sait pas vraiment d'où qu'il a commencé. Donc là, il y a deux hypothèses. Il y a deux hypothèses. C'est soit que ça a commencé ici, au pilier. Ou soit ça a commencé là. Donc moi je vers l'entrée, vers le pilier, pas vers l'entrée, si. Vers le pilier. Something hit the pillar with quelque chose a heurté la colonne fall. Avec. A person thrown par exemple, into the pillar would do it. On aurait balancé. Attendez, la question elle est restée ou pas? Au comptoir ou sur la scène. Vers le comptoir. Au comptoir. Hell of a mess. Tu parles d'un chantier. Ça pourrait parfaitement être dû à une bagarre entre deux personnes. That could be it. Ça pourrait être ça. Mais il faut encore que je trouve qui était assis à côté de moi. Qui était impliqué. Denise Bracelet. Donc on sait que la bagarre est arrivée là et que ça a été balancé là quelque part et ça a fini sur le pilier. Ils l'ont balancé juste là. C'est ça. Le verre s'est cassé. Mais Hugues, la carte de visite. Denise, le bracelet. Ou Joël, la casquette. Ça c'est quelqu'un qu'on a poussé. La carte de visite, je pense qu'elle est tombée parce qu'on a bousculé quelqu'un. Elle est tombée, enfin sa carte est tombée. Joël la casquette. Denis c'est qui le bracelet? C'est le monsieur. Denis c'est là-bas, il y avait le gars là-bas. Où ça a explosé la bagarre là. Ici il y a eu un fumier qui nous a gardé là. Moi je dirais. Là, s'il n'en était pas capable, le gars. Denise Bracelet, Joël Casquette ou Hugues, la carte de visite. Denise Bracelet. Joël. Joël, la casquette au jukebox. On n'a pas d'indice, hein. Pas beaucoup. Voilà, ici dit. Vers le pilier. Vers l'entrée. Alors, vers le pilier, d'accord. Donc, on va vers le pilier. Au comptoir auprès du jukebox sur la scène.
D'accord, alors on va continuer donc nos recherches. Mais si c'est vers qui était impliqué, ouais, mais là on n'a pas forcément la bonne réponse, hein, peut-être. Là on voit que la table est partie par là. Looks like. On dirait que même le panneau commémoratif n'a pas été épargné par la bagarre. C'est lui qui aurait frappé ? Vous pensez, les copains ? Donc du coup, il a perdu l'équilibre, ça a été piétiné, il est tombé. D'accord. Ensuite, après ça, et près du jukebox. Jukebox is not in the same place. Maybe it was involved in the fight somehow. Répondez à toutes les questions pour formuler une hypothèse. Donc au comptoir, j'y parlais d'un chantier, ça pourrait parfaitement être dû à une bagarre. Joel's cap. La casquette de Joel qui était peut-être venue me provoquer alors que j'avais bu quelques verres. Maintenant ça pas. Non, c'est pas ça. C'est Hugues, la carte de visite alors. The pharmacist, la carte de visite du pharmacien, j'espère que. Hope I didn't start picking on the elderly. Ça n'a pas de sens. The jukebox is not in the same place. Maybe it was involved in the fight somehow. Attendez, comment ça commence ? Donc il le sac, il le pousse. Esquive. Paf ! En fait, il y a trois hypothèses, mais les trois s'impliquent, hein, directement. Hein. Et si c'était près de la scène ? On dirait que même le panneau commémoratif n'a pas été épargné par la bagarre. C'est dur. Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. Après, il y a peut-être une bagarre générale. Parce que là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en fait, au comptoir. One hell of a mess. This could definitely be the result of two people fighting. Parce que là, j'ai validé celui-là et l'a foutu là-bas dans l'entrée. C'est tout simplement ça. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. Assez de force pour faire tomber. Par exemple, quelque. Balancer sur la colonne. Bon. Valider l'hypothèse. Ça veut plus valider. The jukebox is not in the same place. Maybe it was involved in the fight somehow. It looks like not even the memorial board was spared by the brawl. Moi je dirais pas c'est Hugues. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I had a few. Mais Joel, ça serait sur la. The jukebox is not in the same place. Looks like not one hell of a mess. This could definitely be the result of two people fighting. Trois possibilités, hein, c'est chaud.
On valide. Mais qui c'était alors dans tout ça? Aïe 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 aïe. Si la bagarre s'était achevée ici, le bar ne serait pas dans. Donc ça va pas, il est pas d'accord. Jukebox, non. Looks like not even the memorial board. Sur la scène. C'est une hypothèse, ça veut dire que c'est pas validé. Doesn't fit with the thing I found. Denis. That's Dennis's. C'est celui de Denis. I definitely wanted to shut him up last night. I have the complete j'ai picture le tableau now. Complet maintenant. Ah, il s'est fait gauler. Tu sais, un type qui parle tout seul a pour public un crétin. Fuck off, va chier, Dennis. Je comprends pourquoi il te reste si peu d'amis ici. Yeah, ouais, j'imagine que tu connais le sujet. Pour moi, mon meilleur ami n'a jamais couché avec mon ex. Oula. Who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch? Ah, c'est nous qui s'est fait frapper! Ah non, c'est nous qui s'en est fait là-bas. La tronche. You don't talk about Anna or Nick that way. Dana. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. Aucune idée de no one in this town does. Personne en ville. What are you talking about? Qu'est-ce que tu racontes? I'll show you. Je vais te montrer. Mais pas ici. Retrouve-moi tout à l'heure. Oh, c'est parti, envoyez les amis. Le bagarre au bas. Ethan is coming back in through the front. At least I think. Je pense que c'est lui. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if I don't have time to lose explaining myself to Ethan. Oula. J'ai parti discrètement, on sait jamais. Faut pas qu'il sache que je suis venu parce qu'il sait, il sait pas. Il sait pas du tout. J'arrive et puis je commence à papoter avec. C'est pas la peine après ce qui s'est passé. Vaut mieux pas engendrer plus de problèmes de ce qu'il a déjà. Hein, en sachant que c'est beaucoup, surtout pour lui. Il revient, il enterre son ami, il envoie bouler son ex, il se bagarre au bar. En plus, il a fait un journal, les amis, mais complètement apparemment abusif sur les lieux. Parce que même le mineur, il est pas content, quoi. Voilà, c'est la vie de la mine. Un peu comme chez nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, avec nos mines. Of course. Bien sûr. I come back on the town's Miner's Day celebration. Well, you always did have great timing. Tu as toujours eu un don pour arriver au bon moment. On en reparlera plus tard. Focus. Concentre-toi. You tried Dennis' cell phone. Essayé d'appeler Dennis. No answer. Sur son portable. So what now? Et maintenant? Ask around. Je vais essayer see if anyone's de savoir seen Dennis si today. A vu Denis aujourd'hui. Maybe see if anything jogs my memory. Quelque chose me rafraîchissait. I've heard worse plans. J'ai entendu pire. Comme j'ai pas vu. Écoutez les amis, c'est là-dessus, parce qu'il est une ville, Denis est passé sur Main Street, quelqu'un a dû voir quelque chose.
Écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis commentez, likez, partagez, mais surtout n'hésitez pas. Ça fait 44 minutes 40 secondes qu'on est ensemble et j'espère que ça vous a plu. Cet épisode un petit peu plus long que prévu, mais on se posait des questions. Surtout qu'on se lève, on a la gueule de bois et puis en plus de ça, on se bagarre dans un. On voit qu'on s'est bagarré parce qu'on a du sang et tout ça. On se demande d'où ça vient. Enfin voilà, c'est là-dessus les amis. Je vous dis ciao, bye bye. C'était ZS, c'est la mort est à mes pieds. N'hésitez pas, abonnez-vous, allez zou.